Mais le truc, message, je pense qu'on a ce temps papa Yumba. Il y a eu un message de partout. Puis qu'est-ce que papa Yumba, parce que au assistant qui n'a pas ce qu'il y a Madure système, il y a Pepe Kalifra Nayo. Et puis Lelo, tout le monde a misé sur Akoufi Lelo. Bazopemno bon, on est rebellé. C'est ça la question qu'on allait dire. Alors qu'est-ce que papa Yumba dit Lelo Zaboué jusqu'à maintenant, tout le reconnaître Yoté n'a pas fait ça là. Qu'est-ce que vous dites par rapport à Lelo Mona? Petit frère, au moins, on a qu'une question, mais papi, c'est sale. Papi, c'est stade, il y a municipal. Alors, il y a aussi plus la musique à Congo. Jusqu'à maintenant, on ne vous reconnaît pas. Qu'est-ce que papi Mapoura dit? Qu'est-ce que tu penses par rapport, y a, après vous, il y a des mérites? Je risque de me répéter encore. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Rien, c'est... si l'État Jacques, on reconnaît Bissot à titre posthume, tant mieux. Tant mieux, mais... l'artiste va demeurer dans vos têtes éternellement. Madilou système que tu as dit là, si aujourd'hui on fait écouter une chanson, il y a oh Madilou Ayemba, il est présent avec nous. Taboulé, l'idole de Bed qui est parti, mais il est aussi présent dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos fêtes, un peu partout quoi. Je ne demande pas mieux, je ne demande pas mieux. Faut même pas me poser ce genre de questions parce que je suis pas décideur moi. Je suis pas décideur. Si demain après ma mort, on ne fera rien du tout, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mes enfants, ils vont peut-être dire, bon voilà, on avait pas. Le grand Calais qui était le fondateur de la musique congolaise, de la rumba congolaise. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Kabasele Chamala, grand Calais, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Luambo Makiadi, même ici, on a érigé une avenue à son nom, mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? On a fait peut-être... on a sorti de l'argent uniquement pour célébrer 2-3 jours comme ça, et puis c'est passé. Et puis c'est passé. Au Bandoudou, là-bas, j'ai posé la question. Dombe Poutoum est né où? Dombe Poutoum a commencé sa carrière où? À Kikwite. La suite, je crois que tu connais. Voilà. Alors, en revenant par rapport à la question de Ndeki Totono Liboso, papa Malelo, au PC Lumière, Naba Misia Congo Lelo, tu as comme rêvé de la musique internationale. Et là, presque tout le monde veut se lancer dans la musique internationale. C'est à cause de Peter Gabriel, qui a plus de chansons. Alors, papa, est-ce que tu penses que on peut répondre à notre place? Donc, la musique, nous avons place à l'époque, tant que nous avons affronté l'Ibanda, parce que nous a plus de musique, nous avons plus de musique aux outils. L'un des musiques, à partir de la musique nationale, est comme évolué dans la musique étrangère. Et puis, qu'est-ce que Papa Yumba dit par rapport à cet album? Est-ce que ça pourra donner une piste pour nous, la place aux musiques à Congo et à la Guilibousso? Je me définis comme étant l'attaquant et le défenseur de la rumba congolaise. Avec ce style musical, la rumba congolaise va reprendre sa place sur la scène internationale. C'est comme ça que nous l'aimons, c'est comme ça que nous la défendons, et c'est comme ça que les autres aussi, ils aiment. Les Ivoiriens, ils n'avaient pas un genre musical, ils ont copié. Les Nigériens, là, les Nigériens, si, ils avaient, avec Fela Adekunle, lui, il avait un genre musical, mais aujourd'hui, à cause de la technologie, quand on écoute très bien, mais ils ont fait un mélange qu'on appelle, nous, la world music, la musique du monde. Mais or, la rumba congolaise n'a pas... Elle a été influencée par la musique cubaine et tout, mais elle garde toujours sa monture. Oui, à cheval, voilà, quoi. Donc, monture, mati, aussi, nous autres, qui a gardé un go kaka, et avec le même rythme. Les Kabasele, ils ont fait ça. Les Lomo Makiadi, ils ont fait ça. Les Taboulé, ils ont fait ça. Les Negro Succès, ils ont fait ça. Les Aïko, à l'époque, ils ont fait ça. Les Vive à la musique aujourd'hui, les Wenge, tout ça. Donc cette musique-là, elle est là, quoi. Elle est là. Soyons-en fiers, quoi. Alors, le très puissant
moi bi Rajabu depuis Nairobi au Talabiso et puis na il est né prêtre avant qu'il soit prêtre Fabrice Mubiala depuis la Suisse et puis c'est le plaisir na Gloria Mansoni femme d'affaires au Talabiso depuis Paris. Alors papa Wemba, alors pour le moment que ce la musique au Betilelo na maître d'école bah style nin oyo yo personnellement recommandé batou yasika ba retrouver dans quatre albums. Alors, quand j'ai dit rumba, la rumba, là c'est carté la rumba. C'est rumba, rumba, ça moulaï. Hein? Parce que tu as dit rumba, 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 c'est belé, tu peux expliquer. Mais par rapport, il y a maître d'école, il y a un style peut-être, il y a rumba, ou tu peux retrouver. C'est la rumba qui est faite aujourd'hui. Hier, il y avait Odemba, il y avait Fiesta. Mais Lelo, tout est comme une marmite moko. C'est ça. Parce que, à l'époque, Batuloko la bapa Viki Longomba ne devait pas chanter dans ok jazz parce que c'est pas un chanteur style ok jazz. Là à l'époque on ne pouvait pas retrouver un Sam Mangwana ou un Joski Kiambukuta ou un Michelino aller jouer dans l'ok jazz. C'est ça qui style na bangote. Bango parce qu'il est beaucoup plus fiesta et influence wana mélange wana yango butu et kubiti lelo musique, oh, il y a Lelo, d'il y a au moins 10 ans, et t'y kaka. Donc, comme tout est comme dans Marmite, on ne peut pas dire que voilà, oh, ils allaient Fiesta, oh, ils allaient Odemba. Dans ta Fiesta, tu retrouves Odemba. Et puis, il faut reconnaître aussi l'Isanga et Banganga. L'Isanga et Banganga, oh, ils allaient Loa Moumakiadi, Nataboulé. Ils avaient mélangé leur style. Il y a Obagiba défenseur, il y a Odemba Franco, défenseur, il y a Fiesta Rochero. Ba Kutanaki, ba Salaki, musique et Sikamo. Et influence Wana Yango et Kotana musique Lelo. Quoi. Et plus ingrédient Oyeba Ksami Lelo avec la technologie, avec une nouvelle touche. Et Zotikala, et Kalikaka Rumba, quoi. Et Kalikaka vraiment Rumba. Papa Mba, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à Rumba, ou bien à Mikolo, Rumba? R&B, est-ce que on peut dire la rumba autrement et comme R&B? R&B pénaté. Dans une de mes chansons, ils en ont CD2. Il faut yoka Marosa. Le tempo, il est R&B, mais je garde toujours le côté sensuel. Il y a rumba quoi. Tout ça, ce sont des influences que nous subissons. C'est comme j'avais dit dans une des émissions ici que c'est la mondialisation qui est en train de nous rassembler comme ça, quoi. Influence, toi, Eli, influence la mondialisation. La technologie est commis vraiment d'un sommet, quoi. D'un sommet, regarde, c'est lui qui se retrouve à plus de 15 000 kilomètres. Mais, avec l'aide de cet appareil, avec l'aide de cet engin, avec l'aide, mais vous parlez de partout. C'est ça l'influence il y a mondiale quoi. Voilà, ben nous voyons sur la 3W Congo Bondeko News, la 3W Angelo Central, la 3W Congo Bolingo. Alors tout là papa Wemba Lelo. Alors papa Wemba, on a remarqué maman Lelo tu as dit que a sa place, il place na place amener na vie na yo, mais ces derniers temps on a senti que au lingi plus que pesa on est na maman Rose. Bétrep Solilo, on nous a dit déjà que bientôt là, on a officialisé mariage à une maman rose. Ce que vous voyez, ça va nous sur le monde entier. Lelo. Oui, mais vous, le jeune, parce que vous ne comprenez pas si vite. Quoi. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu veut en nous. L'homme quittera sa famille et va choisir sa moitié. Et ensemble, ils vont devenir un. Comment Bokokoma Boko? Bokoma Boko Negenini. Posons-nous des questions. Yazaliye Nana Zanga, mais Tokokoma Boko Negenini. C'est là où est paillé difficulté et Zalaka, Nakatiya, il y a mariage. Mais ceux qui m'ont simplifié, ceux qui m'ont dit, attendu que l'homme quittera à Kenokozoa, le mariage ici
ils ont peut-être, pas peut-être, mais ils ont trois étapes. Le mariage coutumier, où toutes les deux familles, et Gouya, ba yepe, ou pesi, ba bikila, ou yo nege ba pesaka. Pona, les deux familles, ou yebana. Puisque, ou yo ba botaki, ou yo, ba ligi peut se retrouver, ou yo ba botaki, ou yo ba ligi peut se retrouver. Mais beaucoup plus, et pas ya boisi de moutou ba se retrouvera beaucoup plus. Et puis, il y a le mariage civil, afin que l'État a sanctionné pour la ba bien d'abino. Ce que mon cabo a dit, bien oyo, et vous allez à nani, bien oyo, et vous allez à nani. Et enfin, c'est le mariage religieux. Le religieux, c'est une démarche, vraiment, c'est pour glorifier et honorer le Seigneur. Et honorer le Seigneur, ça c'est la fin de fin. Ça c'est la fin de fin. Vous pouvez le faire à vos 70 ans. Vous pouvez le faire à vos 80 ans, vous pouvez le faire à vos 40 ans, rien n'empêche. Si aujourd'hui je dis que voilà, je vais amener ma femme avec qui j'ai passé 44 ans de vie commune, mais pourquoi doit-on revenir pour me poser encore des questions? Je ne trouve pas de réponse. Ça ne concerne que nous deux, ça ne concerne que elle et moi. Nous voulons aller sceller notre mariage dans l'église catholique que nous sommes de chrétiens. Vous avez été reçu par l'actuel pape. Non, 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 l'actuel pape. C'est qui vient là. On n'a pas été reçu par le pape François. Ouais. Le peuple de le pape de pauvres. Non, nous, on a été reçu par Benoît XVI. Voilà. Voilà. Alors, Papa Imba, qu'est-ce que tu rôles par rapport à notre père? Alors, ma clip, déjà, on nous a appris. Oui, alors, ma clip, si vous voulez, on a sali ma clip, oh, tu vas se dilater. Voyez, on a radio déjà. Il faut ma bonanga, il faut ma bonanga na clip na Barbara Kana, il faut ma bonanga na clip na Boto Pamba, Jimmy Piana, il faut ma bonanga na clip na Vieux Bombas, Diokalongo, il faut ma bonanga na ma clip na ma petit nanga à la Boudjika. Faut pas bon nanga. Arrêtez, ils allaient, arrêtez qui monte, qui grimpe, rampe. Ils allaient la kati. Pourquoi choix y a Jimmy Piana, Nyokalongo, Barbara Kanam. Yo, bon d'abord, babé. Là, tu n'as qu'à quelle question. Mais ça va peut-être copé, d'accord, Ivoloko. D'accord, il peut copé, qui c'est encore Stino. J'ai bien par rapport à Nyonga fait de l'amour, cavalier solitaire. Ça n'a rien à voir. Évidemment, bon, c'est comme ça que je conjugue, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je conçois ma musique à moi. Je ne peux pas me prétendre d'être de dire que voilà, je sais et je peux tout faire. Non, si je dis ça, je mentirai sur toute la ligne. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et moi, ce genre de collaboration, ça me donne encore une leçon. Ça me donne une leçon. C'est pas deux, c'est pas trois. Chanter avec Nyokalongo, j'ai appris aussi quelque chose en lui. Chanter avec Barbara Kanam, j'ai aussi retenu quelque chose en elle. Je sais que c'est une actualité où c'est le cas déjà. On avait tous des larmes aux yeux parce qu'on ne pourrait pas aussi même que tout n'ayo par rapport à pas sur le cas de monter mais parce qu'il y a déjà une chanson au total déjà une émission de toute son émission bouillée disparition à King Kesser et blessé Kyo. Alors vous en souvenez ni dans Molilo tant tu te tiens Nicolas Lilo. Ouh, vous savez un passage à Moto ici sur terre et ça là bas Macamnago et Belil des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et quand vous vous retrouvez ici, Kamoko, il y a des moments heureux où vous partagez ensemble, et puis il y a des moments aussi où vous êtes peut-être dans un bras de fer. Ça, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Mais c'est dans la douleur que je pleurais avec des larmes de crocodile la disparition de cet illustre artiste. Pratique l'OTAN. Batik l'OTAN. Pourquoi batik l'OTAN?
Bino batu boya ko le bébé. Boya ki le bébé ba ke ba kudi bozo ki na binote. Mais famille restreint ba kuti kala toujours hein. Na lokutu ba pandi ba tangate, lo pa ku na ba kodo ba kombolite. Ba saka kana douleur wana. C'est comme Bolokai. Bolokai ti le lo tozana na brassara noir na na liboko. Mais tu as fait pleurer presque tout le monde. Na bato bazo sous-estimé. Parce que non, mais tu as fait pleurer tout le monde parce qu'il y a chanson de Mbaki. Jusqu'à maintenant, on se demande, mais avec quelle inspiration, papa Mbaki? Parce que même Nabato Banero et Boklo Mabanga, ils ont pleuré. Pendant deux jours, à l'époque, il y a ma funéraille, j'ai dû fermer mon téléphone parce que je recevais des injures que je ne pouvais pas entendre. J'ai dû bloquer mon téléphone pendant deux jours. Il y a des personnes qui m'appelaient uniquement pour m'injurier, pour m'insulter. Et j'avais trop mal. J'avais trop mal, quoi. J'avais trop mal. C'est dans la douleur que j'étais rentré au studio pour travailler cette chanson, bien sûr. Il y a beaucoup de messages m'ont lancé. C'est un des généraux de Boloka qui est parti. Parce qu'il a porté sa pierre à l'édifice de ce grand groupe Viva la Musica. Il a façonné la façon de travailler. Il a apporté. Et même quand il était parti, on n'a jamais eu de bras de fer. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, Reddy Amissi, qui trône devant son groupe. Mais quelle fierté! Ça, c'est la fierté de Molokai. Ça, c'est la fierté de Viva la Musica. Voilà. Voilà, merci Papa Nabandi, c'était vraiment information de Gozo. Alors, on va retrouver l'album Maître de Colwapi et ce qui est numéro de contact, c'est on a besoin d'être à Nairobi. Donc, c'est un jeune qui apprécie à son plus de à Tindi, à Paris, à son plus de 20 CD, moi, Rajabu, malgré le disque qui est venu à retard, mais c'est ce que l'album prochain aura se rattrapé. Après ce bah, bon dimanche. Les tout puissants Mwabi Rajabu. Là, le Mouto Ozo Tangawana, Azana Kati. Azana, troisième chanson, Johnny Lopez. La dédicace. Allez, la guinde Azana, Nzé Mounakati a dit. Ah, ça, je sais pas. Ça, c'est encore une autre démarche. Mais le Johnny Lopez, là, mais lui, il vit à Nairobi. C'est un monsieur que je ne connais pas. Mais on s'est entretenu, ma relation a besoin d'aller au beau fixe. Et Johnny Lopez, Mouta Pesangila Komboya, moi, Miraja Bouana. Et je l'ai dédicacé dans la chanson Johnny Lopez. Voilà, les très puissants, moi, Miraja Bouana, plutôt Pesimbote, dans le véritable, l'unique et le seul, Willy Moucheni, code mondial. Mouta Simi, code Fungo, la Tuna Mabouronaï, c'est vrai, oui, Bagar, on a un code à dépistage. Alors, on trouve pratiquement sous émission Papa Wimba. Alors, message numéro PSA. Na Bandegoazu, tu entends le surtout partout dans le monde, na Congo Media Channel. Et aussi, na site Napso, www.congo.bandegoazu. Bandegoazu, na journal télévisé républicain. Message numéro PSA, Bandegoazu. Maître à l'école. Je sais que, déjà. C'est depuis le 20 juin. Il est sur le marché. Un double CD. 25 titres. C'est un beau voyage musical et qui est mis à votre disposition. Courez partout où vous pouvez la voir, acheter et écouter. Merci. Allez, bonne écoute. Voilà, par exemple, vous avez une dédicace, une salutation. On peut s'en aller à Talio, je ne sais pas. Nandaku, Libanda, Libanda Congo, partout dans le monde. Alors, je dirais simplement ceci. Ceux qui n'ont pas zappé, qui sont restés scotchés, dans leur fauteuil, en train de s'ouvrir cette émission. C'est à vous que je dédie cette émission. Et je vous dis vraiment merci beaucoup. Ceux qui vous avez qui un peu choqué de ma dire là, excusez-moi, je suis qu'un être humain. Je peux avoir un dérapage, mais je ne pense pas avoir choqué Bino. Je ne fais que répondre à ma question. Il y a un journaliste. Vraiment, encore une fois, le tout puissant, moi Birajabu, autre chose depuis Nairobi, Topé Simbote na le véritable code, Willy Mouché des codes mondiales, autre chose depuis quelque part, et puis Topé Simbote na
na Gloria Mansoni, mon maman Lili, la mon maman Mansoni, femme d'affaires au Tabac depuis Paris, et aussi Topesi Mbote na ya Philippe Mbanza depuis Paris. Merci beaucoup par rapport au geste. Topesi Mbote na Alphonse.